Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou et la fée des dents. Maman, regarde, Sarah est là. Youpi! Tu as vu Caillou? Je peux me balancer très très haut. Tu peux me passer la pelle, Sarah? Sarah? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que ta dent remue? Mes dents de lait ont commencé à tomber parce que je suis une grande fille maintenant. Je vais la garder et la mettre sous mon oreiller. Cette nuit, la fée des dents viendra me voir et elle m'apportera un cadeau. Caillou n'avait jamais entendu parler de la fée des dents. C'est une fée qui vient te rendre visite pendant que tu dors. Elle regarde sous ton oreiller pour voir s'il y a une dent et si elle en trouve une, elle te laisse de l'argent ou encore elle te laisse un cadeau. Caillou aurait bien aimé mettre une dent sous son oreiller pour la fée des dents. Tiens, voilà ton jus, Mousseline. Mange ton raisin, Caillou. Ensuite, on ira jouer dehors jusqu'à ce que papa et maman reviennent. C'est très drôle. On dirait que tu viens de perdre une dent, Caillou. C'est vrai? Moi aussi, il m'en manque une. Tu vois, celle-ci, c'est une fausse dent. Je la retire tous les soirs. Est-ce que tu la mets sous ton oreiller pour que la fée des dents t'apporte un cadeau? Bien sûr que non. Je ne voudrais surtout pas que la fée emporte ma dent. Coucou, on est rentrés. Maman, papa, je veux que la fée des dents m'apporte un beau cadeau ou de l'argent comme Sarah. Mais chérie, il faut d'abord qu'une de tes dents tombe avant que la fée des dents vienne te rendre visite. Alors, est-ce que je peux mettre celle de grand-père sous mon oreiller? C'est que, vois-tu, j'ai besoin de ma dent. Et puis, la fée des dents s'apercevrait bien que c'est la mienne. Caillou était découragé. Il avait tellement envie que la fée des dents vienne le voir. Il se dit que s'il appuyait fortement sur ses dents, elle finirait peut-être par bouger. Hé! Hey, celle-là, elle a remué! Non, elle n'est pas prête de bouger, Caillou. Elle m'a l'air très solide. Hé, hey, salut, Caillou. Tiens, regarde, je te rapporte ta pelle, tu l'avais oubliée. Waouh, Sarah, ta dent, elle est partie. Au revoir. Caillou n'était pas content. La fée des dents n'allait pas lui rendre visite. À moins que... Cette pierre ressemble à une dent. J'ai une idée. Caillou espérait que la fée des dents prendrait la petite pierre pour une dent et qu'elle lui apporterait un cadeau. Bonne nuit, Caillou. As-tu brossé tes dents? Ce soir, la fée des dents va venir me voir. Je ne pense pas que tu réussisses à berner la fée des dents. Mais laisse la pierre sous ton oreiller. Elle viendra peut-être te rendre une petite visite. Mais tu sais, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle te laisse un cadeau. Je sais. Caillou veut grandir. Je veux un biscuit, s'il te plaît, maman. Mais Caillou, on ne mange pas de biscuits au petit déjeuner. Caillou aurait bien aimé être assez grand pour se servir tout seul. Mais il n'arrivait pas à atteindre la boîte de biscuits. Allez, viens, mon chéri. Il est l'heure d'aller jouer au parc. Regarde qui est là, André. Caillou n'avait pas vu son ami André depuis longtemps. Bonjour, Caillou. Tu veux jouer avec moi?
Caillou voulait faire tout ce que faisait André. J'ai une nouvelle bicyclette, l'autre était trop petite. Est-ce que tu veux l'essayer? Ben, d'accord, je veux bien. Tu es encore un peu trop petit, Caillou. Caillou aurait tellement voulu être assez grand pour conduire la bicyclette d'André. Alors, Caillou, est-ce que tu t'es bien amusé au parc? Je veux une bicyclette comme celle d'André. Et pourquoi? Il est bien plus grand que moi et il a une très grande bicyclette. Caillou, c'est normal, André est plus vieux que toi. Mais ne t'en fais pas, toi aussi tu as grandi. J'ai grandi, moi? Viens, je vais te montrer. Tu vois, depuis la dernière fois, tu as grandi de 3 cm. De 3 cm? Est-ce que c'est beaucoup, 3 cm? Ça veut dire que tu as beaucoup grandi, Caillou. Caillou était très content d'avoir grandi. C'est mon tour. On va te mesurer aussi, Mousseline. Oh, mais toi aussi, tu as grandi. Avant, tu étais grande comme ça. Mais maintenant, tu arrives là. Et là, c'est Caillou. Grand! Caillou était fier d'être le grand frère de Mousseline. Si tu continues à grandir si vite, Caillou, tu seras bientôt aussi grand qu'André. Caillou avait vraiment hâte d'être aussi grand qu'André. Comment est-ce que je peux grandir autant que lui? La meilleure méthode pour grandir et devenir fort, c'est de bien manger et de bien dormir. Ce soir-là, Caillou mangea bien plus que d'habitude. Encore, Caillou? Mais tu en as déjà pris 2 fois. Je veux beaucoup manger pour devenir grand et fort. Qu'aimerais-tu comme dessert, Caillou? Si tu veux, tu peux avoir le biscuit que tu voulais ce matin. Oh non, j'ai plus de place. Allez, viens faire la vaisselle avec moi. Ça va t'aider à digérer tout ce que tu as mangé. Oh, il y a encore un problème avec ce robinet. Je le réparerai demain matin. Caillou se dit qu'en allant au lit de bonne heure, il grandirait peut-être plus vite. Caillou, tu es déjà prêt à aller te coucher, mais il n'est pas encore l'heure de te mettre au lit. J'ai décidé que j'allais beaucoup dormir. Regarde ce que j'ai trouvé, une ancienne photo de toi. Tu vois comme tu étais petit? J'étais vraiment tout petit. Oui, tu as raison, Caillou. Tu es un grand garçon maintenant. Cette nuit-là, Caillou rêva qu'il était devenu grand et fort. Il jouait au parc et il pouvait atteindre la barre la plus haute. Et surtout, il pouvait conduire la bicyclette d'André. Caillou! Caillou, réveille-toi! Quand Caillou se réveilla, il était de très bonne humeur. Il se sentait grand et fort. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te voir. Mais voir quoi? Papa, et regarde, tu trouves pas que j'ai grandi cette nuit? Non! Je suis désolée, mais je ne pense pas que tu aies changé de taille depuis hier, Caillou. Caillou était tout déçu. Il avait l'impression qu'il ne serait jamais aussi grand qu'André. On ne grandit pas en une nuit. Ça prend des années pour devenir grand. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai réparé la tuyauterie. Voyons si ça marche. Oh non! Bon, on ferait peut-être mieux d'appeler un plombier. Il suffit simplement de remplacer ce joint qui fuit. Est-ce que je peux voir, papa? Désolé, Caillou, mais c'est un travail pour les grands. Caillou décida d'aller réparer le lavabo de la salle de bain. Debout, nounours, tu vas m'aider à changer ce joint qui fuit. Peux-tu nous donner un coup de main, Caillou? Si tu n'es pas trop occupé. Non, je viens.
Tu vois, nous avons besoin de fermer ce robinet là-bas. Mais nous sommes trop grands pour pouvoir l'atteindre. Est-ce que tu peux le fermer quand le plombier te le demandera? D'accord. Vas-y, Caillou. Vas-y, Caillou. Tu sais, papa, il fait très noir là-dedans. Ne t'en fais pas, je suis là. Ça y est, je l'ai fait. Je te remercie, Caillou. J'aimerais bien avoir un petit bonhomme comme toi pour m'aider. Caillou était très fier d'avoir aidé le plombier à réparer l'évier. Je t'ai trouvé, André. Tu as encore gagné, Caillou. Ton papa n'arrive jamais à te trouver. Parce que je suis assez petit pour me cacher n'importe où. Caillou veut prolonger l'hiver. C'était une des toutes premières journées du printemps. La neige fondait, les fleurs poussaient, et Caillou et sa famille profitaient de cette belle matinée printanière. Regardez, cette fleur pointe le bout de son nez pour profiter des quelques rayons de soleil. Comme la neige a fondu, les fleurs se mettent à pousser. On ne reverra plus la neige pendant très, très longtemps. Caillou était un peu triste de voir que la neige avait fondu. Il aimait bien jouer dans la neige. Elle allait lui manquer. Salut, Caillou! Sarah, regarde ce que j'ai trouvé! C'est le dernier tas de neige qui n'a pas fondu. Bientôt, il ne restera plus rien. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir la garder. Tu sais, tu pourrais toujours la congeler, mais il faudrait la mettre dans le congélateur. Caillou aimait beaucoup cette idée. Il n'y a pas de place. Je sais où on va la mettre. Caillou avait trouvé l'endroit idéal pour garder la neige. Dans la baignoire! On va aller en chercher plus. Caillou et Sarah rapportèrent des seaux et des seaux de neige jusqu'à ce que la baignoire en soit complètement remplie. Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette neige? Un bonhomme de neige. Mes mains sont toutes froides. Oh, oui, les miennes aussi. On devrait mettre des mitaines. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre des yeux et un nez. Ah, vous voilà. Sarah, ta maman voudrait que tu rentres manger. D'accord, j'y vais. Au revoir, Caillou. Amuse-toi bien avec la neige. Avec la neige? Est-ce que je pourrais avoir une carotte, maman? Oui, prends-en une, chérie. On n'est pas encore prêt à passer à table. Caillou trouvait que son bonhomme de neige était magnifique. Caillou, va te laver les mains. On mange dans une minute. L'après-midi, Caillou lava la voiture avec son papa, puis il aida maman à préparer le repas.